Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Caribou Canadien qui vous parle. Welcome everyone. If you have a question, let me know. Allez, on continue l'aventure. Cette palpitante aventure. Bon. Et où la femelle, tu sais? Allez, ma... Rien? It's my fault. Mais pourri! Capable. Ah.
Ah, coupe for me. This is my babe. Toute pourrie. Non, mange pas ça. Ouais, mais analysez avant de manger! Ils n'ont pas analysé, on dirait. Donc, ma nouvelle habilité, je vais aller vérifier, mais c'est que quand j'appuie deux fois B, ça leur dit de faire la même chose que moi. On va essayer. Bon, mais ils sont pas avec moi, ça, le problème. Non, suis-moi. Ne vous en ici. Ah ouais, ne vous en. Bah. Je l'ai mal fait, je pense qu'il était marqué. Je vais jeter à terre. Prends un nom. Ordonner d'imiter. Bébé. Oh, là ça marche. Ah non, non, on va continuer. Oh,
Also, mon Matt. Perps, you have a question? C'est la plus facile à voir de même. Tu regardes quand il lève son bras. Quand la rotation est un peu plus haut de la tête. Oh, c'est là que ça fly. Bon. Excellent. Oups. Dude. Une arme qui coupe un peu plus, enfin, on n'a pas besoin autant. Oh, mon objet, merde. Donc, on a commencé une nouvelle game ce matin. Dans le but, on avait déjà perdu 3 singes, mais là, on s'améliore. Essai-erreur.
Ah. N'as-tu qu'on pas d'armes? Moi je n'ai. T'as toutes des armes. Bon, l'évolution. Oh, on a évolué ici. Non, pas ici, mais là. Ça, c'est la première fois que je me sens aussi loin. Après la connexion, il est possible de demander aux membres du clan d'imiter un changement de main et là. Oh, ben, tabarouette. Ils vont pouvoir faire leurs propres armes. Dorénavant, possible de demander aux membres d'un clan d'imiter un changement de main et l'altération d'un objet spécifique. Donc, ils vont pouvoir faire leurs propres armes, leurs propres médicaments sur mes ordres de Dieu. Le caribou. Il est vraiment possible de demander aux membres d'un clan d'imiter. Ça, j'ai déjà dit ça. Oh, j'ai pas fini. Un petit accouplement, faire des petits bébés. Nouvelle gestation. Ça boit un singe, faut boire! La naissance va s'améliorer. Oh, calme-toi, là, je vais pas faire un coup avec toi. On va améliorer notre motricité en faisant tomber des noix de. Il n'y a pas de noix de coco, là. Il y a un autre noix de coco là-bas, par exemple. Je vais aller analyser les abeilles que j'avais pas encore faites. Thank you.
De raisins qui sont pas avec moi. Hey, hein. T'as acheté des noix de coco là? Les abeilles m'ont piqué, mais je pense que je sais quoi je vais faire. Allez, Gwen, comment tu vas, ma belle? Bien. Je me demande si je me mets ça, ça va m'enlever les... Les abeilles, vas-tu pas avoir moins peur de moi? Plus peur de moi? Merci pour l'hébergement. Faites comme chez vous. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas chez vous. Merci pour l'hôte. J'arrive pas à frapper dessus encore, mais en tout cas. Oh, une noix de coco! Ah, j'ai vu une noix de coco et ça. C'est quoi ça? Pas ça? Ah, c'est des feuilles. Ah, il est là la feuille. Okay. Chaque fois que vous voyez un petit flash dans le coin à droite, ça veut dire que j'ai travaillé mon cerveau. Oh non! J'ai sauté la bombe. Oh, monte là-dessus. Donc là, on va travailler notre motricité. Secoué. Vous voyez, gars, ça flash en bas à droite. Là, il n'y a plus de noix de coco, ça flash plus. Bon. C'est en haut, les noix de coco.
L'arbre est là. Tombé dans la rivière. Et là, on leur dit, prenez une noix. On a développé de la motricité, on va aller chercher ça. Après connexion, il est possible de détecter les éléments plus éloignés. Au niveau, c'est plus des sens, finalement. Et là, ici, ça, c'était quoi? Après connexion, la portée de détection d'une source de son est améliorée. Les deux sont utiles. Ah, la capacité de détecter les éléments plus éloignés à l'aide de vos sens est acquis. La capacité de détecter les éléments plus éloignés. Bon. Donc on doit travailler pour grossir ça parce que là on peut plus améliorer d'autres choses. Ils font pas, bon, je parle des bâtons sont juste partout. Bon, je fais une pile.
Bon. Quand il y en a disponible, ils vont le faire. Ah ouais, allez-y! Pas une un qui le fait. Go, go! Ah ouais! Ah lui, il va le faire. Il a brisé son affaire, lui. Je pense qu'il l'a eu. Ah, ils sont pas assez mûrs, c'est ça l'affaire, ils viennent mûrs à terre. Identifier le refuge de la cascade caché dans la jungle. Ça va être... C'est pas facile, ça. Là.
Un mort? Il y a quelqu'un là, mais c'est un mort. Il y en a qui en pognent des pourris, je comprends pas. Toi, tu n'as un banc. Donne-moi ça. Toi, qu'est-ce que t'as dans les mains? Des pourris. Ah non! Pas dans les arbres. Non, non! Je me suis trompé, bon, tout bad. Il va avoir mal au ventre. Je suis pas toi. Bon.
Qu'est-ce que tu mêlais, toi? Hein, tu peux pas le faire? Ben, il y a une qui est enceinte. On va mettre l'autre enceinte aussi. Allez voir l'évolution. Donc on a eu des nouvelles connexions qui se sont améliorées, mais surtout au niveau des sens. Donc là on va améliorer après connexion la portée de détection de la source. Localisation sonore, appuyez sur X pour utiliser vos sens et choisir Louis et suivez ensuite les étapes. On a deux points qui se sont améliorés ici au niveau de croissance, assigner de l'énergie numérique pour activer l'évolution des sens. Après connexion, la portée de distance de la source d'une odeur est améliorée.
On n'a pas assez de ça ici. Tu vois, il y avait de la misère, lui. Il n'a pas de l'air à marcher, le copain. Le vieux, il n'a pas de l'air à... Peut-être, je pense qu'il lève plus, le vieux, moi. Salut Tulip, comment ça va, Sleepette Tulip? Allez, ne reste à travailler. Bon. Oh,
La portée de la détection des ressources non commestibles est améliorée. Bon, ça c'est important. Faire le gros. Faire le fer. Bon, ça c'est correct. Hein? On n'a pas assez pour faire la connexion. Elle est pas capable de s'accoupler, le tabarnache. Elle a de la misère. Donc nous avons une belle heure de jeu, on va arrêter ça là pour cette partie-là.